Paris with my good friend Boba Demeter, whom I've known for many, many years. We just released a lesson on DC Music School, so please check it out. Now I'm going to switch to French, and you can use the subtitle option to read what's going on. Salut Boba, merci d'être venu. Bonjour. Alors voilà, je vais te poser des questions un peu sur ta façon de jouer, ta famille. Déjà, la famille Demeter, c'est une grande famille de musiciens, je crois. Très grande famille de musiciens. Voilà. Et en fait, vous n'êtes pas manouche. Non. Plutôt Rome, voilà. Tzigane, Rome. Voilà, ouais. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cette famille-là? Très compliqué à expliquer parce que, déjà d'une, on n'a pas de pays, mais on adore la musique. Pour couper court, on adore cette musique, ce style de musique de Django Reinhardt, et on adore jouer ce style de musique dans notre famille. Mais votre famille, elle était pas où? Bah, il y a 100 ans, ils étaient ailleurs, je crois. Vous oui, êtes... ils viennent de Russie, d'origine russe. Et ensuite, ils sont partis dans l'Europe, un peu partout dans le monde. Quoi. Et dans cette famille, c'était qui, à peu près quelle génération qui a commencé à jouer la musique de Django? En fait, mon grand-père, mon père, qui a presque 70 ans, et moi... Mes neveux, toute la famille, chez mes frères, ça joue. Et la famille est en France depuis la génération de ton grand-père ou... Pour dire qu'ils sont en... Je pense qu'ils sont en France... Ils sont venus en France dans les années 1910-1912. Ils ont un peu connu Django ou pas vous... Oui, ils ont vécu avec Django. Ils ont vécu avec Django. Oui. À l'époque, bon, avant Django, ils jouaient quoi comme musique dans cette famille? Avant, la musique, ben, c'était la musique traditionnelle russe, tzigane. C'est tout, quoi. C'est ce qu'ils jouaient. Et toi, tu as commencé avec la... Tu fais un peu les deux, toi, j'étais déjà vu. Oui. Ouais. En fait, on est né avec cette musique tzigane. Ouais. Et le jazz manouche aussi. Je te vois aussi souvent dans les églises, tu joues c'est là, des cantiques aussi, des trucs comme ça. Oui, des cantiques... Ça ressemble beaucoup au jazz manouche, hein. c'est à peu près ça aussi. Et on joue du jazz manouche, on joue les cantiques qui ressemblent beaucoup au jazz manouche, c'est du jazz manouche. Et toi, je pense que ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on se croise à Samoa, des trucs comme ça. Et tu vas depuis combien de temps à peu près? À Samoa? Ouais. Oh, ça date, ça doit faire... Une quinzaine d'années facile. Bah, c'est là qu'on s'était rendu. Oui. Voilà, 15 ans dans console. Tu fais pas carrière en musique, j'imagine, tu fais autre chose? Non. Je fais pas carrière en musique, mais j'adore jouer ce style de musique. Mais tu as un très très grand niveau et c'est quand même incroyable ce que tu fais. Merci. Comment tu as travaillé à l'époque? Tu travailles à partir des disques de Django? Oui, c'est ça. Comme ça. J'ai travaillé à partir des disques de Django. Les disques, les grands, là, ça s'appelait les vinyles. Et j'écoutais ça, les répètes, à chaque fois. Mais on apprenait les solos. Tu ralentissais les disques ou... Plus tard, après, il y a eu un système qu'on écoutait pour apprendre sur Django ce qu'il faisait. Jusqu'à maintenant, c'est... Ouais. Ça reste
Un phénomène. Et souvent dans ta famille, vous jouez souvent ensemble Oui, la famille de tous les Metteur, jours? oui, tout le temps Tous ensemble. les jours. À part Django, t'as écouté un peu Kido dans le style? Il y avait Stokelo ou je sais pas où. Oui. Stokelo Rosenberg, j'écoutais beaucoup, que j'aime bien, un ami à moi. Birelli, j'écoute beaucoup. Dorado, Schmidt. Et beaucoup de Django. Quand tu étais enfant, il n'y avait pas grand monde qui jouait cette musique, je crois. C'est vrai. Alors c'était, tu peux nous parler un peu comment c'était un peu, c'est la musique de Django avant l'ère de YouTube, tu vois. Ah ouais, bah j'écoutais beaucoup Raphaël Faïs, Dorado, Biril Lagren, Stochlo, Rosenberg, Angelo Debar. Et je pense que c'était l'époque, hein, de mon époque. Ouais. Maintenant ça a beaucoup changé. Oui. Mais en fait, maintenant ça joue partout dans le monde. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Il y a des gens au Japon, en Corée, tu vois, qui jouent. C'est C'est fantastique ce qu'ils fantastique. font. Est-ce que tu fais beaucoup de concerts ces temps-ci, ou est-ce que tu en as fait beaucoup de concerts Non. ou... Non. J'avais fait Liberchi deux fois pendant 2 années de suite. Je pense que c'était en 2004, je pense. 2004. En tout cas, Boba, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Alors voilà, j'espère que cette vidéo pourrait aider un peu. Et peut-être on fait un dernier morceau pour dire au revoir. Allez, c'est Qu'est-ce qu'on parti. joue?